Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Qui télécharge mes chansons? La Gestapo, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états? Mm-hmm. On le sait pas. Et vous, madame? Ah, oh, moi, je veux rien savoir, moi. Ouais. Chante l'amour, chante la vie, chante la joie. Je n'ai pas oublié ce beau temps-là, les gars. Oh non. Ah, oh, j'ai pas oublié, moi. Et c'est là, jambalaye. Oh, swing la jambalaye dans le fond de la boîte à boire. J'en garde un souvenir au fond de moi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le! Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extraite de son recueil Contes et nouvelles. Contes et nouvelles. Là, merci. Ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. C'était J.C. Wall, je vous l'ai dit. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, les gens s'habituent à mon débit, là. Des bis, zi d'amour sous la bouche amoureuse. Des deux couples qui s'adorent le soir à la brunante. Un bis, allez-y, pigez, merci, j'y vais. J'y vais, portez à portez à mardaise à mardaise, la molonienne, c'est mieux. C'est mieux que la peinture à l'huile. Là, j'en ai pris deux. Alors, j'ai dit zunz. Alors, je referme le bisoun, la chose, là. Et donc, la première phrase, est-ce que je dis la première phrase avant ou le titre? Non, la première phrase. Vicky, elle s'appelait Vicky, c'était mon amie, c'était une fille bien comme les autres. C'est pas de sa faute, mais je l'aimais. Ça va, il va le monter. Il va la monter, la note. Il faut le dire, monter la note, parce que là, tu dis... Vicky, elle s'appelle Vicky, c'est mon eau minérale. Non, c'est pas Vichy, c'est Vicky. Oh! Entre Vicky et Vichy, il n'y a que le qui fait chi. Ou on chie dans le... Non. On chimère, la chimère. Ça, on va couper, madame. On peut pas couper. Mais allez-vous couper? On peut pas. Allez-y, on peut pas. Mando, on peut pas. Bon, qui? Je peux vous lever.
Qui? Il vient de se lever, lui, allô? Et vous, vous levez? Vous vous levez? Oui, oui, moi, je me lève à chaque fois que je me réveille. Vous vous levez? Ça vient de qui, ça? Hein? C'est moi qui ai fait ça. Quand? Dans un coma profond? Ah oui. Et vous, vous levez? Vous vous levez? J'aime ça. Ça fait du bien. On se la dilate. Ah, hein? La petite rate. La petite. Non, c'est un rat. Dans le fond de la. Mais non, c'est pas un rat, c'est une rate. Eh, hey, voyons donc. Le féminin de rat, ben c'est rate. OK. Alors, j'ai le fond de la rate qui radote. Vicky, bon, on va-t-il la lâcher, la Vicky? Non, il faut la prendre. Prenons Vicky, lâchons l'écho. OK. Quoique l'écho, ben c'est des petites bulles. Oh, de l'eau minérale. Oui, monsieur, de l'eau minérale. Que c'est bon, ce liquide, lorsqu'on est un animal. Oh, mais c'est un minéral animal, c'est pas très bon. Hein? On lui donne combien de 2 points, 3 points? Et vous, vous levez. Ah, vous vous levez. Oui, vous vous levez. Alors donc, Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui, comme dans tous les couples. Si on s'imagine qu'un couple n'a pas de problème, la chanson dit... Les amoureux n'ont pas d'histoire, ils ont la toile de vivre deux. C'est faux. C'est faux. Un couple, à l'intérieur du couple, dans cette, j'allais dire, l'univers, le monolaire. C'est un monolaire que tu l'as pas. Moi, j'ai le monolaire pas tant. Comment tu me dis, monsieur? Comme vous dites? Et vous, vous levez. Ah, moi, je me lève, là. Oh! Et je me bouscule. J'ai peur derrière moi. Mais ce n'est pas mon habitude. Qu'est-ce qu'il disait, donc? Moi, il y a microcosme, macro-micro. Moi, je suis un micro. Ben oui, micro. Un, deux, chargette. OK, microcosme. À l'intérieur d'un microcosme amoureux, il y a des problèmes. Mais ça ne doit pas s'exprimer. Ça ne doit pas exploser, ça ne doit pas s'entendre, ça ne doit pas s'exhiber en dehors de cela. Sinon, il faut un thérapeute. Qui dit thérapeute dit argent. Qui dit argent dit... Ben, on pourrait s'arranger ensemble, mon amour, on peut parler. Ben oui, mais parler, quand on parle, pis ça aboutit à rien. C'est ça le problème, là, hein? Quand on... Oh, oui, on va répondre. L'exterminateur. Oui! Oh, l'exterminateur. T'as-tu, Georgette, t'as-tu appelé l'exterminateur? C'est pas Georgette, c'est Vicky. Oh, Vicky, excuse-moi. Georgette, je te prenais pour Vicky, mais c'est... tu joues ton rôle, là. Ben oui, je ne suis pas le... Je suis Georgette, mais je suis dans le rôle de Vicky. Oh, c'est vrai. Parce que tu ressembles tellement à Georgette. Ben, c'est moi! Ben oui, mais tu me dis que t'es Vicky. Ben oui. C'est moi, Georgette, mais je campe un rôle. Tu campes un rôle. Eh, mon Dieu, tu te prends pour une tante. Mais non, ben camper. Ah, non. Au théâtre. Oui. Tu vas au théâtre? Ben, je vais au théâtre. Si on me donne des billets, là, penses-tu que je vais payer pour aller voir des gens? Oui, je vais au théâtre. J'ai des billets de saison pour 2 théâtres que je nommerai pas ici parce que ça fait de la publicité. Oui, je vais au théâtre. L'été... Et là, je peux faire mon pétant, là, même si ça pète fort avec moi. Ça pète, mon Jean-Marc? Ah, ça pète. Pas besoin de soupe au poivre. On se la pète. Ah oui! Alors, l'été, je vais au théâtre à Paris. T'es malade? Oui, je suis malade. Mais l'hiver et l'automne, ben, pendant la saison théâtrale québécoise, ben, je vais au théâtre à Québec. Comment? À Québec. À qui? À Québec. À Québec? À Québec. Oh, c'est du beau théâtre, c'est du très beau théâtre, mais moi, je prends les deux meilleurs endroits pour aller voir de l'art dramatique. Là. Puis une qui laisse aller tout l'imaginaire à travers des comédiens pas connus du tout, quoi qu'ils deviendront, c'est vedettes de demain. Et l'autre, ben, c'est un théâtre... audacieux, mais quand même assez conservateur. OK, c'est bon. Et là, ouais, c'est ça, Vicky. Oui, Vicky, elle était là, Vicky. Alors donc, on a entendu le... On y va? Oui. L'exterminateur. Alors, Vicky, tu as appelé l'exterminateur? Non, et toi?
Ben, j'ai pas voulu te le dire, là, mais c'est pas les morpions, là. C'est non, heureusement. Non, c'est des petits problèmes. Des coléoptères. Des coléoptères, oui. Parce que moi, j'entends souvent le soir, là, des coléoptères autour de ma tête. Là, on est devant un aéroport. T'es-tu certain que c'est pas des hélicoptères? Ben, des hélicoptères. Des hélicoptères? Copters? Copters? J'entends des copters. Ben oui, des copters. Ça se peut pas, des copters. Ben oui, mais des... J'entends. Bon, ben c'est bon, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Un, deux. Un, deux, oui, je t'entends. Bon, c'est pas des hélicoptères. Non. Je sais pas, là. C'est... Ça colle-tu? C'est décollé? Ça colle les opters? Ben oui, mais là... Là, t'as fait venir un exterminateur. Ben oui, mais là, arrête, il va frapper encore. Oui! L'exterminateur. Oui, on va vous faire rentrer, monsieur, monsieur Copter. Mais c'est pas Copter Rapaille. Oh, oh! Peut-être que c'est Copter Rapaille, là, hein? Le maire nous l'a fait venir, là, mais... Ce mec se prend peut-être comme coléoptère. Comment? Coléoptère, coléoptère, OK. On dit, je me crois comme un savant. Ben oui, tu te fais juste... C'est juste à faire croire. Ouais, c'est parce que sinon, ben sinon, t'es pas un savant. Non, je suis pas très savant, moi. Un plus un, peut-être 6, peut-être 9, peut-être. Un plus un, peut-être. Oh, un plus un, peut-être! Hey, si vous faites des examens, là, l'école n'est pas commencée au cégep. Si vous êtes étudiant au secondaire, il n'y a pas d'enfant étudiantant. Non, étudiantine, donc c'est temps, temps. Ben oui, étudiant, des étudiants temps. Il n'y a pas de jeunes gamins et gamines qui m'écoutent là, à cette heure-ci. Là. Il est quand même très tard. Puis, comment ça, il n'y aurait pas de jeunes. Il fait beau, puis il fait chaud, puis l'école n'est pas encore... Oh, quoique le cégep commence bientôt. Oh, le cégep lycée. Là, on laisse-tu le rentrer de coléoptère? Ben, tu me mets dans la barre. L'exterminateur. Oui, monsieur. Attendez, mais pouvez-vous attendre derrière la porte, s'il vous plaît? On va discuter, là. Hey, Vicky, tu m'as appelé ça, là. Puis... Non, mais c'est toi qui l'as appelé. Oh, c'est vrai, c'est moi qui l'ai appelé. Mais oui, tu vois des hélicoptères. Pas des hélicoptères, des coléoptères. Des coléoptères, c'est quoi des coléoptères? C'est des avions, mais avec des hélices. Oh! Là, ils veulent te piquer. Te piquer quoi? Piquer ton intelligence. Ah, oh, mon dos. Ils veulent tout savoir sur toi. Oh! Ils veulent capter ton attention. Ils veulent soutirer ton intelligence. Oui, mais t'en as pas. Oui, j'ai pas d'argent. T'as pas d'intelligence. Moi, j'en ai pas non plus, Vicky. T'as bien raison, ma belle Vicky. Vicky, nous sommes que des épaves dans ce monde fou. Nous cherchons une ruie selon qu'au printemps, que des feuilles mortes, et nous les ramassons. Et on ne les appelle pas. Pourquoi? Ils ne répondent pas. Ben c'est vrai, des feuilles ne répondent pas. On les a appelées souvent la semaine dernière. Hein? Ben oui, mais c'est pas l'automne. Non, mais on se préparait à l'automne. Ah oui, on jouait des... On aime ça, les jeux de rôle, nous. Hein? Ah oui, on se prend... On s'offre des rôles. Ah, quel beau rôle avons-nous. Ah oui, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Oh, c'est beau que ce petit impro pourri. Un impro pourri. Pourri. Pourrais-tu en dire davantage? Ben oui, c'est beau, c'est merveilleux pour les enfants, pour les adultes. Tout le monde a compris, on les embrasse très bien. Et le titre, c'est « Trois poulets ». CKRL, cultive tes goûts.